C'est bien en iconique, hein, il me semble, non? Je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Allons attraper. Bear baiting Yukon Nick. Why shit. I knew his ways would catch up with him someday. He's a trapper, but maybe more like a feudal lord, way he runs that country up there. It's medieval, I tell you. Anyone wants to trade fur near Nick, they got to be ready for a fight. So I guess that's what happened to get him in trouble. They sent a marshal up there to speak to him a few days ago. Been captured, most like. Don't let that happen to you. Usually, Marshal, it's dogs who hide my bears. Ah, shit, I know you. I make a special case. We'll be fine. But first, we bring. Come on! Fini l'amusement. En fait, ça va ici, il fait pas trop froid, ça. Non, ça reste correct. Ça joue comment? Discrète ou on fonce dans le tas? Comme vous voulez. Ah. Je vais pas vous courir. Ok. Bon bah, je crois que Marianne a décidé, hein. Attends, je m'occupe de l'ours. Si jamais j'ai mon gros, mais. Attends, fais pas la connerie, fais pas la connerie. T'inquiète, il va s'en. Il va se débrouiller. Aïe! Help me! Need help! Merci! Non! Putain, merde! Putain de merde. Going to.
D'accord, copain. Je vous sécurise pour l'instant. On le laisse tranquille. Oh putain, le ciel est bien. Bon, les gars, le boss il est mort et vous aussi. Une bonne chose de fait de l'avoir abattu suffisamment. Ah, j'ai aussi plus de problème. Cher. Ouais, ça va. Faut mieux t'y aller. Partez devant, j'ai une dernière chose à faire avant de partir. Pas comme. Aller vers la prison. Qu'est-ce qu'il fait? Je voulais libérer les animaux qu'il avait enfermés, mais apparemment ils sont pas morts. On
Vas-y. Allez, vous deux. Rien, ça va. On va le livrer vite à Pisa et puis avec son doc. Non, ça va, j'ai pas besoin du doc. Juste ça a pris sous une explosion. Tu es certaine? Oui. Juste un peu assommé, c'est tout. D'ailleurs, vous avez pensé à libérer le Marshall avant de partir? Bah, Marshall était super. Marianne l'a mis à terre histoire de le protéger. Et... Oui, mais je crois qu'il a été tué par derrière. D'accord. Ce genre de personne, c'est difficile de gérer. Peut-être ramener Marianne au camp pour qu'elle puisse se reposer. Est-ce que je suis viré? On pourra en faire autant d'ailleurs. Ok, oui.
quand je dis que je suis pas trop faite pour ça, je suis plus faite pour faire ces missions. C'est pour ça qu'on fera ce que vous avez dit qu'on fera. Voilà donc. Attention la marche. Montez. Comment ça, il fait moins 1 degré selon ma montre. Oui, oui. Allez, on va. On va bouger vite ici. Ouais, avant qu'on attrape un rhume. Attends, je pense qu'on va pouvoir y aller au triple galop. Se lève, la température remonte. Je me sens toute crasseuse. Lavement. Par contre, je crois que quelqu'un était en train de prendre des tours, il faudrait accélérer. Oh putain, oh putain. Il y a un train. L'argent. Je n'irai pas si on ne passerait pas. Je crois que oui, il est pressé le logan.
Attention, très cher ralenti au niveau du manoir. C'est bien pour ça que je ralentis. Parce que les bon, les gardes ils vont pas être contents si vous accélérez. Bien sûr, menace. C'est toi. On va en camp, manoir. Ouais, mais je me disais qu'on peut peut-être laisser ici. Non, on va au camp. Il n'y a rien pour se nettoyer ici. Ah, je dirais qu'il y a l'eau qui est juste à côté, mais bon. Ouais, mais non. On est sur un chemin, hein, tu peux accélérer, très cher.
Je vais préparer un petit truc à manger. Excellent, excellent. Exterminer les méchants, ça donne toujours faim. Un truc, mais c'est peut-être pas le bon moment. Non. Parce que maintenant vous avez fini vos assiettes. Évite s'il te plaît, on est à table. Oui, non, oui, non, évite, oui. On est à table. Pas tout de suite. Je sais pas me recevoir une assiette ou une cuillère dans la gueule. Ou même une balle qui ricoche. Une balle qui ricoche, mais ça, ce serait le summum. Bon, on t'écoute. Disons que. Bon, je l'ai déjà dit à. Amig, mais toi, je te l'ai pas dit, oui. En vue de la chute que j'ai fait l'autre jour, si je dois arriver à que ça soit la fin pour moi, je veux que vous recrutez quelqu'un qui a la même manière que moi. Et si en plus en prime vous pouvez recruter une femme, qui bien sûr vous ferait confiance. Par contre, en tant que chef de la tribu, je veux que ce soit un de vous deux, mais par contre. Enfin, un de vous deux jusqu'à temps que vous trouvez quelqu'un de confiance pour la gérer. Et par contre, je veux pas savoir que. Enfin, non, parce que je serais mort du coup. Pardon. On va dire depuis là, je veux pas pouvoir essayer de vous battre pour la place. Dans tous les cas, si on suit la logique, il n'y a pas à se battre. Mais... Il était là avant moi. Exactement. La place de chef de la tribu revient de droit. Bon. Après, on peut toujours se jouer ça en poids. Hein. Ça pourrait, mais bon. Je pense pas que Marianne de l'au-delà serait contente. Donc, non. C'est pour qu'elle nous envoie la foudre et les tornades, c'est pas la peine. Un petit duel de poing amical. Je vous enverrai des putes des amis sur la tronche. Un bras de fer. Le vainqueur dirige la tribu. Moi, ça me va. Aussi, hein. Oui, mais de base... C'est à toi d'accepter ou pas. Après. Eh sinon, le chef, comme tout chef, il délègue. Mais sérieusement, les gars. Si c'est non arrivé, de toute façon, vous devez impérativement passer la carte en tant que femme. Et soit que l'époque de la femme ne peut pas commander quoi que ce soit, commence à être un petit peu révolue. Si, vous voyez ce que je veux dire. Si, bon. Histoire que la tribu en brème, même si elle change de nom. Quelle est la même image? Donc Ming, si tu deviens chef, tu feras que je te retrouve une femme pour remplacer, mais dans laquelle d'abord tu feras confiance. D'accord, Ming? Exactement, mais... Qu'en fait, il l'a trouvé. Tu sais, je vous fais confiance. Et mec, faut que tu saches une chose. Oui, il est considéré comme un frère.
Et pas un frais d'attribut. C'est un peu... Je sais pas... Le frère que j'ai jamais eu. Difficile de dire ça quand on sait ce que c'était. Comme la petite sœur qui est morte que j'avais, mais qui est vivante du coup. Ce qui fait que t'es mon beau-frère. Du coup, rien d'en plus pour régler ça au point. Écoutez, la madame à ta gauche, elle a dit on ne pas ça. Au point. Voilà. Sinon, je vous envoie une pluie de dynamite, d'accord. Ça sera pas l'orage qui vous tombera sur la tête. De la pluie de dynamite sur la tête. Et ça sera... Ça me plairait, en vrai. Ça sera de la dynamite. Et des cocktails molotov. Yes. Mais c'est la meilleure des plus possibles, ça. Tu pourras pas essayer de tomber sur nos ennemis. Ouais. Ça purifiera nos ennemis par le feu. Ah ouais. Attention. Je vais me donner un coup parce que je me sens très clairement crâne. Bon, allez, débarrasse la table. T'appelles ça débarrasser, toi? La petite cuillère est réticente. Oula, pépite, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu viens vers moi, la tête baissée? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, elle est trop réticente, attends, fais mieux. Attends, bouge pas, fais mieux. Tu sens quelque chose, bébé, c'est ça? Attends, elle est réticente, c'est là. Elle est encore là. J'ai vu décaler. J'ai vu une alice. Ton vaisselier. Ton vaisselier est magique. On est d'accord que les animaux sentent les événements arriver avant nous. Oui. On m'explique pourquoi Pépite est venue. Oui. Non. Pépite est venue vers moi, mais la tête baissée. C'est la première fois qu'il fait ça. Ça veut tout et rien dire, hein. T'as même pas une mauvaise idée en tête. Oui. Sauf que la mauvaise idée en tête que j'ai, c'est surtout sur moi, du coup. Parce que ah. Vous, la mauvaise idée que j'ai en tête, c'est surtout sur moi. Justement, je pensais à ça, donc non. Et pas ces mauvaises idées là en tête. Non, tu sens, j'ai envie de dire. Non. De toute façon, j'ai envie de dire, on verra bien. Tiens, j'ai une bonne phrase à dire pour des prochains ennemis potentiels. Passem Parabellum. Tu veux la paix? Prépare la guerre. Excellent ça.
Pourquoi Crips a touché à ma tante? Pourquoi t'as touché à ma tante? Je vais aller dormir maintenant. Vous me rejoignez si vous voulez, mais... D'accord. Quoi? Pourquoi est-ce d'accord? Ah, d'accord, en mode on va te rejoindre. Après? C'est quoi, vous allez faire quoi du coup? On est à côté de la rivière, on peut peut-être essayer de lancer la ligne. Je crois que oui, il me semble qu'il est fatigué aussi également. C'est exact. Je vais aller me poser au manoir aussi. J'ai des choses à faire. Bah, je suis minoritaire, donc direction le manoir. Pas sûr, mais dans le choix, il a voulu s'attacher tout seul, je crois. Ouais, je crois que c'est tout. Mais non, mais c'est Crips le magicien. Ouais, mais... Il a changé ma tante. Et puis, il a changé ma tante. Mais non, c'est moi qui... C'est moi qui l'ai changé, le camp. Histoire que ça... Il y a pas une tante d'intrus. Et c'est ma tante. Oui, bah ça va. Ah, tu vas pas ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Attention. Hein. T'as bien entendu ce qu'elle a dit justement. Elle a dit une tante d'intrus, donc t'es un intrus. Ah. Toi. Aïe. Oh, j'aurais pas aimé celle-là. La prochaine fois, je te fais un trou dans l'oreille. Je m'excuse. Tiens, pour ta peine, voilà. Mais... D'accord. Madame Fémuse. Quoi, faut bien faire, s'amuser, non? Exact. Certes, certes. Mais pourquoi tu t'excites, toi? Voilà. Allez, saute. Voilà. Si c'est nous arrivé, de toute façon, le malheur t'appartiendra, Mick. En interdiction de le vendre. Compris? Sinon, la pile dynamite, plus de cocktail Molotov, plus de mitrailleuse Maxime. Ah, oui, d'accord. Et plus tournade. Il est tornade de cocktail. Oh putain. Tornade. Marianne. De feu. Marianne. Oui, quoi?
attraper le monsieur au lasso. Moi je te déconseillerais. Mais il marche lentement. Bon, c'est bon, il est parti. Oui, c'est un de mes gardes ouvriers, je sais pas, c'est... C'est quand même grâce à lui qu'on doit... Qu'on garde... Ben là... C'est quand même grâce à lui qu'on doit, confortablement dans le manoir. Ouais, enfin, là, il bosse pas vraiment, un peu. Hein. Oui, bon, il a 16 heures de pause. Et quand j'ai payé. Non, parce que quand ils justement ils vont au fond, c'est leur cabane de pause. Toi, tu pars à la pêche. Ça ne répond pas surtout. Avec la 4 celui-là. Ça fait un tour. Tu cours dans le vide là. Non, tu. Non. Non. Voilà. C'est bien. J'adore. Qu'est-ce que t'as toi? Ouais. Méfie-toi. Et voilà. Nous voilà chez nous. Il y en a que deux entre dedans. Ah, home sweet home. Arrange-moi ce couteau. Il est rentré. Les couteaux, c'est pas pour les... très bien que je rentre toujours dans ma chambre comme ça. Oui, mais les couteaux, c'est pas pour les enfants. Ah, putain, il y a encore des gens que je crois. Ah. Je m'en occupe. Restez là. Ouais, bah non, en fait, c'est aussi ma propriété. Voilà, par contre, c'est pas chier. D'où, en fait, ils font des. De l'alcool sur ma propriété. Oh! Oh, ça va chier. Bonjour! Ah, t'es sans être, toi. Putain, laisse-moi un peu. C'est vraiment bitch. C'est un bitch. Tiens. Vous embêtez pas. Faire cramer avec l'argent. Voilà. Je crois qu'il y a des gens pas très contents, je crois. C'est ça. Là, c'est mon couteau, je le récupère. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu donnes ton temps, t'avais traché. J'espère que tu l'as kiffé. Le couteau dans le cœur. Voilà, c'est mieux comme ça. Et vous là, les gars, vous parlez rien. Qu'est-ce que vous faites là, madame? Circulez. Circulez, je vous ai dit. Les gens, ils seront tout permis nos jours.
Jesus, je rentre pas sur une propriété privée. Oui, si tu veux. Écoute, c'est pas pour les enfants, je t'ai déjà dit. Oui, mais ça... ça reste ma chambre. Oui, sauf que bon... si tu casses ta porte, t'auras pas de quoi, t'auras pas de coin intime. Je peux t'aider si tu veux pour la porte. Non, c'est irréversible. J'adore. Par contre, tant que je suis au manoir, tu dors de l'autre côté. Pardon. Et comme elle te l'a dit, c'est ma sœur. Du coup, la chambre, c'est là-bas. C'est quoi cette connerie encore? Oui, sauf que Marianne est quand même assez grande. Je suis assez grande. Oh. Ouvrir la porte. Like a ghost in my mind, I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. 'Cause you are like a ghost in my mind, I wanna escape you. But I do not believe it was right letting you go. I can't stand the thought of losing. Tell me, do you think of me too? 'Cause every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake letting you go. 'Cause every song just reminds me of you and it breaks my heart. You're still here. Face in my dreams, I can't escape you. Like a movie on repeat, the scenes just go on. I'm hearing your voice in my dreams, I wanna escape you. I really think I made a big mistake, I want you to know. I can't stand the thought of losing. Tell me, do you think of me too? 'Cause every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake letting you go. 'Cause every song just reminds me of you and it breaks my heart. You're still here though. It's over now. Don't tell me it's over now. Don't tell me it's over now. Don't tell me it's over. 'Cause every song just reminds me of you and it kills.
was a mistake letting you go, 'cause every song just reminds me of you and it kills.